avec Mme Marie-Laurence Jocelyn-Lasseg. Et l'objectif, c'était lutter contre l'exclusion des femmes dans les espaces du pouvoir, qui est très une organisation qui est très importante dans le pays. À côté que nous n'oublions pas, mesdames, Magali Maslin, Miriam Mele, qui sont des féministes. Nous sommes féministes, même pas un féministe qui fait le hein. Parce que nous pensons que pour payer ça équilibré, il faut gagner des femmes avec des garçons qui mettent tête ensemble. Pour faire payer avancer. Nous sommes femmes politiques. Et je pense que nous avons mené une bataille là, à côté que actuellement là, c'est DPO en SMCRS, directrice de planification et des opérations en SMCRS. Moi, j'ai des charges, j'ai fait 46 mois. J'ai 5 ans en dans SMCRS, moi, j'ai ancien vice-délégué en dans la GONAV. J'ai fait vice-délégué, moi, aller dans des charges là. Et que j'ai 5 ans dans SMCRS, côté que nous travaillons, nous faisons technique en dans boîte ça. Je ne veux dire nous connaissons SMCS son corps, côté que les travailleurs, les employés de service, ensuite les cadres, nous faisons partie d'un cadre qui a poussé l'institution ça pour aller vers l'avant. Bon, eh bien, c'est du lourd, hein? C'est du lourd. Quand on a commencé pour un autre, moi j'ai campé. Campé, oui, qui t'a parlé. Dans un moment ça, et pendant ouais. que ce maintenant, on a parlé de rôle formant dans la société, à droit, mesdames, yo, mais ce n'est pas comme ça qu'on a plongé le doigt, on a plongé le barreau. Donc, même mesdames et tout, on a cherché modèle dans la société. Hein? Donc, magistrat, bon, émission en tournée, même chercher modèle, chercher monde dans le pays pour nous bâtir plus. Ouais, c'est ça, c'est chercher créer espace pour découvrir des compétences qui cachées dans le pays. Il y en a énormément. Malheureusement, pas gagner trop d'espace pour nous découvrir. Moi, je pensais que c'est une valeur sûre. En tout cas, je me félicite par Colum, salut par Colum. Je pensais que. Bon, il faut un bon débat sur la question FATRA en particulier, c'est une préoccupation non seulement nationale, hein, c'est personnelle aussi. Mm-hmm. Je dis que je dis toujours, bon, je n'ai pas aucune fierté pour le monde qui est dirigeant, qui est maire, civil ou sale, qui est dirigeant, qui vient aux responsabilités nationales, si pays à sale. Donc ces compétences, il faut les découvrir et mettre dans un niveau de responsabilité acceptable pour les pour tout changement en VIA, c'est avec les Haïtiens et les Haïtiennes qu'on le fera. Bon, et ça, c'est un objectif émission ça, je vous dis à édition ça, bâti Haïti ça, c'est pour nous faire appel avec un monde qui a un grand dossier qui a géré alors que depuis dans cette année, le président de la République a pris l'amour. Donc, nous avons un ingénieur Galiot qui lui-même travaille dans le site de dans Twitcher, oui. Ben. J'ai été à Twitcher. Ah, bon, mais qui travaille, l'homme dit qui travaille là, mon passé, qui plus ou moins connaît et en même temps tout. Une opération. Ou bien nouveau magistrat, accusation sous deux magistrats chaque jour. Oui. Mm-hmm. Donc, qui, comment qu'on calme? Est-ce que FATRA, d'abord qui, un bon aspect technique, là, avant de poser des questions, si FATRA c'est politique ou bien c'est technique lié. Donc, bon, qui est technique, là, parler, qui ça, qui sous d'ailleurs, vous avez amené un conseil. On parle de mairie de Delma, mairie Port-au-Prince. Vous regardez tout mairie ça, tout a souffert même problème. Non? Et ceci, mais ça, avec tout le pays. Donc, dans nos aspects techniques, dans nos lectures, bon. Des lieux. Oui. Moi, je pense que FATRA, nous aujourd'hui, et qu'il fait actualité. Et actualité fait, il faut que nous fassions marche en arrière, parce que donner lieu tout. Parce que si nous faisons marche en arrière, nous regardons de 1915 à 1934, la population, une croissance là est plus lente. Après, on vient prendre le 19e siècle, on a augmenté, le 20e, 21e siècle, on a augmenté. C'est peut-être ça l'état là pour faire prévention. Je ne veux dire, on mettait un série d'institutions, par exemple, SMCS, il fondé 3 mars 1981. Côté, c'est toute une machine qui est en blanc. Côté de la direction, de la service qui est en dedans, pour voir comment il y a résolu le problème ça. Moi, c'est à partir de 1989, pour voir comment il y a résolu le problème ça. Moi, c'est à partir de 1989, il devait définir la mission hein, avec Mério. Côté Mério, il y a un entassement pour faire, côté Mério, il y a pour faire un entassement, et pour faire un balayage. Tout. Dans ce sens-là, et que nous travaillons de concert avec eux, et que SMC reste longtemps, il y a plusieurs types de matériel. Par exemple, il y a les compressifs, nous habitués avec le thème technique. Compressif là lui-même.
Et actuellement, la SMCS, nous avons près de 4 compressifs côté que nous avons un cubage 35 mètres cubes. Mais autre frère, il ne pas consulter. Parce que si vous avez pas de miracle dans le si vous avez plus de matériel, vous avez plus de fatra. Mais je vous dis, si vous diminuez et puis la quantité de monde a augmenté, et que vous venez garder les plus difficiles pour vous lever fatra. Là, nous avons 40 machines, nous avons levé près de 60% fatra. Je vous dis, nous avons dû à 12. Quand nous avons 3 roll-off et 4 compressifs, de 4 compressifs, 4 bascules, 4 roll-off, et de temps en temps, il est tombé en panne, qu'on a souffert avec 2-3, avant de lever 18 avec 22% fatra. Avec sinon lever fatra dans le pays, c'est l'autre bascule, il faut faire location avec des fournisseurs qui font nous répondre avec une revendication. Bon thème qui a la mode en BSMCS, il y a les flottes, son l'odeur qui a la tête li plus et bascule, ça est plus dans le marché. Parce que les gens dans le marché, ils pas bon jouet ou pas, il y a des fatras. Mon Dieu, ça c'est pas bon. Ils mettent fait film de là et que vous venez mettre le goût. C'est peut-être ça. Je l'ai dit, mais c'est que l'important pour nous travailler avec mairie, pour nous définir un partenariat avec eux, notre instance tout. L'autre TPTC qui a un paquet d'entité dans SEI, il est important, par exemple. Si nous avons bon pilier, qu'on a bon pilier fatra sous lui, ou finir le fatra, faut être ça levé. Immédiatement, parce que moi, j'ai depuis bien tendance, cacasse machine, fatra là, j'ai toujours bien tendance, remettre. Depuis où on s'y prise fatra là, moi, j'ai toujours bien tendance, remettre fatra là. Moi, je pense que la campagne de sensibilisation est importante, parce que tout autant, moi, je ne vais pas responsabiliser fatra, le problème difficile pour résoudre. Parce que autrefois, SMCS, même dès qu'on fait collecte, quand elle passe dans le quartier, elle fait programme. Mais je ne veux dire, ce qu'elle fait, ou manque de compressif, ou bien 4 compressifs seulement, ou pas de quantité. Est-ce que le cas compressif, là, excusez-moi, je change ce que pour tous les amis téléspectateurs. L'autre juvénile, MC07, qui sortit de bien la ramasser avec le dragon 5 travailleurs la dame, et puis de temps en temps, il y a un petit le fatra. Parce que côté de fatra pour flotter, il n'y a pas de compressif là. Compressif là, côté le passé pour prendre un petit le fatra. Quand je dois faire ligne, je vais dans net décembre, et puis prendre toute fatra sur ligne, et puis nettoyer tout le canal. Ça, c'est compressif qui fait. Et puis, et flotte là, lui-même, il y a l'odeur, plus notre bascule, il y a marché, le côté, à monter fatra, et puis nous voyons plein. Nous devons faire filmer les fatras là, dans 5 minutes, il y a le mettre le bout, il y a le encore plein encore. Ça, c'est là, travail, mais important. Parce que normalement, pour nous, lui, verrez les problèmes de fatras, il y a 3 paramètres qu'on n'est pas capable de passer à côté. Il faut définir nos politiques pour que ce soit fatra. Ça est important, il faut définir nos politiques pour lui. Et puis fatra tout, pas oublier la technique. Parce que normalement, il y a des technologies qu'on n'a pas avancé. Moi, je suis revenu comme DPO, je fais 46 mois et directrice des charges en bas, qui n'est pas facile pour moi. Après 46 mois, je monte en l'air, monte assistante et coordination. Et puis moi, je viens et directrice planification, opération. C'est pas une bataille facile du tout. Parce que notre plan de travail n'est pas facile pour arriver à exécuter. Parce que nous avons dit que même fatra, nous avons arrivé à détecter la GPS. Parce que normalement, l'arrivée de notre travail comme ça dans l'institution, gestion, il faut qu'on fasse gestion en tout. Parce que nous avons un fatra dans telle zone, ou dit mais quantité de gaz ou à bail pour aller pour un fatra. Ou dit je pense que c'est important pour nous avancer, mais des fois, au gain plan de travail, on n'est pas arrivé. Ou pas qu'arriver sous plein de travail. Si vous bien comprenez. Parce que les gens ont une opération coup de poing, c'est fatra dans la rue, et puis courir prendre, après ça, remettez-vous encore, ça c'est bon blague. Hein? Moi, je vais fatra, il y a remettez-vous. Et je profite de saluer compagnie privée et tout, qui font travail, côté que vous-même pour fatra, et que y a le GT Twitcher. Parce que il y a deux aspects pour qu'on ait. D'abord, c'est fatra, c'est une côté pour le diverser, celle-là, son autre. Ça a lui-même budget, plus parce que budget SMCS même. Parce qu'elle gagne 215 hectares de terre, côté que les répondre avec l'homme comme décharge, c'est pas blague. Bon, on y a un autre qui plus ou moins dans le détail, comme des mortels passés. Ouais. Si vous nous aidez, vous n'êtes trop fort, nous ne sommes pas qu'à sortir. Son responsabilité, accusation faite sous deux magistrats, sous deux mairies, qui ont même sous responsabilité, et fatra ça. Donc, fatra ça, qui est dans la rue, à travers son soudi, là, qui est technicien, qui est ingénieur, donc, fatra son responsabilité entre deux alliés ou bien son responsabilité le signe de bon zodia, c'est dit que et accusation que fait sous maïsa que vous dites maïsa ou bien fatra vin la maïsa qui te fatra, est-ce que c'est maïsa qui te fatra ou bien que c'est possibilité qui pas gagne? Comment ça pas gagne?
Bon, Pabli, SMC est son institution, il a le organique qui couvre, et que c'est lui-même qui vraiment se fatra. Dans la liste, il veut définir un partenariat avec Mairie pour le travail de conseil avec eux, parce que nous-mêmes actuellement, nous travaillons, quel que soit fatra qui a levé sous commune d'Elmar, Tabar, l'autre côté, nous remettons pour nous coordonner ensemble. Parce que nous sommes là pour nous bailler service avec la population. Les fatras dans la rue, nous sommes concernés, mais tout le monde connaît c'est SMC son institution qui est là et qu'elle doit organique couvrir nécessaire pour le faire travailler, pour le lever. Fatras, ça qui arrive, mais question caniveau, tu es déjà sous compte, question trottoir dans le domaine génie municipal, il y a un voile qui est dans tout et que pour faire travailler dans ce sens. Nous travaillons de concert avec eux. Quoi, j'aime bien tout à l'heure, l'attestation est importante tout. Parce que moi-même, des fois, nous tellement, il va faire très bien lever. Nous arrivons à lever là, pour là, pour le courage. Il y a bail, si vous prenez une zone, il va faire le mélange, il va pas quitter. Vous obligez tout prendre. Ouais, une décantation pour nous faire. Entre SMCS avec l'autre station, des fois nous lever là, nous mélanger avec Fatra. Parce que nous ne pouvons pas vraiment sensibiliser dans ce sens-là. Parce que nous, j'aime dire, là, si compressif, nous avons une quantité compressif. Nous avons tourné avec collecte, nous passons dans le quartier et que nous faisons collecte, nous disons que nous venons Fatra. Laisse ça, Fatra, déchets ménagers, de plusieurs types de déchets, déchets biomédicaux que nous prenons à l'hôpital, déchets organiques. Nous avons pensé à eux après pour venir faire compost, pour faire l'autre bagaille. Mais je veux dire, si c'est fatra, tout fatra mélangé, son mélange lié qu'on a les problèmes. Si vous comprenez, la mairie, l'assemblée, SMCS, ramassé. Oui. Déjà, je pense que gagner en façon que approcher la question fatra, la problématique de son déchet en Haïti, qui peut être une compte de la modernité. Pour moi-même, il y a un portage politique qui n'est pas fait de manière responsable. Et c'est toujours la même approche de l'indicio qu'il a aujourd'hui. Et on a regardé, par exemple, l'autre côté comment ça passe. On a regardé Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe, en France, Canada, États-Unis. Pour qui ça? Est-ce que c'est parce que nous avons du fatra par rapport à Monsaïo qui fait que ville propre, nous même pas nous sale? Est-ce qu'il y a une superstructure qui est les SMCRS ou les DPS Baron qui a bien fait dans la zone ça, ou bien est-ce que c'est une autre forme d'organisation de la gestion des déchets qui fait que je dis à ces villes sont aussi propres, par exemple? Éducation morale. Ah, voilà. Est-ce que. Non, ça me dit que la dame, Nous, au niveau fédération, au niveau zone métropolitaine, nous réfléchissons en plus sur ce qui se fait là, Noël, parce que c'est la politique, c'est nous-mêmes Maïssa qui pote. Il y a trois points qui ne sont pas faits. Mais qui sont fatra. Bon, c'est cynisme. Nous pensons clairement par rapport à la réflexion qu'on fait, par rapport à l'expérience qui fait de l'autre côté. Si nous faisons comme ça à Haïti, dans les régions métropolitaines, dans les grandes villes, dans les chefs liés, les chefs d'arrondissement, tout, nous avons une solution plus ou moins acceptable. Trois points. Premier, c'est intercommunalité. Intercommunalité, première. Deuxièmement, c'est la mise à contribution des citoyens, des citoyennes, des ménages. De contribution, la mise à contribution. Intercommunalité, mal expliqué chaque. La valorisation de déchets. Qui passer forcément par construction d'une usine, un centre d'enfouissement technique, ou bien une usine d'incinération, ou bien une usine de valorisation qui a produit de l'électricité à partir de ces déchets en tenant compte de leur composition. Balbanon, ça qui passait. La France. Quoi en pile dans ça? Modèle français, canadien, quoi en pile dans ça? Ça a fait plusieurs communautés ensemble, ils ont venu créer ça une intercommunalité. Et en France, c'est agglomération. Le Lamenté, par exemple, il y a Kassem, il y a quatre communes qui constituent Kassem. Et ils ont identifié compétences ça, compétences gestion des déchets, ils ont identifié et attribué. À une structure intercommunale, conseil d'administration, c'est maire qui a dirigé, mais grande direction technique, c'est des techniciens très qualifiés qui a géré. Attention, deuxièmement, chaque citoyen payé, chaque caille payé pour ramasser Fatra, pour gérer Fatra. Le caille, c'est malgré l'argent déjà, ou pas capable pour du Fatra, et puis ou pas payé pour lui. Et c'est le troisième point, système de triage. Dans nos gens, le président Jovenel, bon, son monde toujours un bas chiffre sous bas ISAO, dit que dans 5 balles comme résultat d'étude là, 72% c'est organique.
Donc, comment on peut réutiliser sous forme de compost dans l'agriculture, comment on peut valoriser? J'en parle comme si on a parlé de Fatra la Saline. Comment on prend un bac au loder, pour prendre un loder, pour prendre 4-5 bascules, pour ramasser pour quand même avec 4-5 bascules, chou. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un gaspillage de ressources. Mais vous pouvez, voilà, pour banane, pour patate, on n'a pas qu'à besoin de bac au loder pour ça. Mais comme le loué Fatra, pour banane, il vient mettre remblé sous lui. Devient un problème de sélection, de triage qui est fondamental. Donc, la mise en commun des de villes, on va identifier compétences, gestion des chéa ou bayoul. Vous constatez par exemple, nous avons à propos de Prince, Carrefour, Cité Soleil, Croix de Bouquet, Delma, Pétionville, Tamar, nous faisons une intercommunalité. Nous identifions 4-5 compétences pour lui, j'ai un sujet préoccupant. Et puis, vous constatez l'administration de 7 mois à eux, mon présidence tournante. Mais la direction générale, c'est dans la vie que ce président, même la direction générale là, pas arrêté. Ou bien directeur technique, ou directeur exécutif. Mais les directives sont données par le conseil municipal, par le conseil d'administration, et les responsabilités. Il fait que c'est ça le fait. Nous, les municipalités régionales de comté, c'est comme ça, on le lit au Canada. Et puis, là, en Martinique, en France, on le lit agglomération, par exemple, un rassemblement de communes. Le modèle Haïti, je disais, que la région des Palmes, c'est un meilleur prêt, il a porté le résultat. Je dis à, si nous parlons d'une dynamique d'intercommunalité, on ne va pas faire de malheur. Mais comment on va faire une solution? Merci à Ben de poser une question sur ça. Twitcher lui-même, son zone de décharge, c'est ça? Oui, son site de décharge. Son site de décharge. L'abattement, il prend toute commune. C'est ça, est-ce que c'est pas dans le même cas de ça? Je ne parle pas dans le cas de ça. C'est ça, lui. Je dis à ce sont les bénéficiaires hein, de site LIA. Vous d'accord? Ah, c'était sur les... Ah oui, c'est clair. Ah, si mon ton image il avait la... Pendant que nous avons viré dans la rue, à garder côté Fatra. Ça, c'est qu'arrivé aujourd'hui. Il y a eu le café, mairie de Prince, mairie de Pétionville, mairie de Tabac, Croix de Bouquet ou bien Pétionville ensemble. Nous regardons qui sa conséquence t'en vient sur ces soleils, une contribution qui va être pour lui. L'État a décidé, l'État a gagné, voilà, il a précédé ça, il a décidé tout, il a mis ce site là. Parce que vous n'avez pas dire non. Mais attention, ce n'est pas les gens qui font là-bas. La fumée, pas de entretien. Voilà. Voilà, c'est pas possible. Pas de prise en charge de ce site-là. Là, moi, je me considère comme un 2x3, ce n'est pas un site. Parce qu'un ingénieur comme ça, bien, le long zone qui est le centre d'affichement technique dans le décharge là, eh bien, il y a une durée de vie de 25 à 30 ans. Il est rosé. Et après durée de vie, la cycle de vie, ça, c'est la fin. Il est gaz, il est fermé. C'est le gaz, il prend le produit du gaz puis il le revend. Nous sortis pour Fénam, pour Maïsraël, pendant 3 fois à visiter ça. Par exemple, nous étions Orlando, le mois dernier, l'année passée, nous étions au Québec. Pour nous, merveilleux ça, et Martinique, c'est un moment extraordinaire. Même extraordinaire. Nous produisons moins de fatra que eux, mais nous n'avons pas arrivé à faire gestion. Donc, ce moment, même avec Sidera et Carrefour là, moi, comme maire de Carrefour, c'est un petit coup de dans la rue, ça. Moi, comme maire de Carrefour. Parce que nous avons parlé dans le bâti Haïti, nous avons parlé, c'est pas. Il faut nous fonder sur la terre. Moi, comme maire de Carrefour, moi. On fait garder tout. Donc, coordination FNC, faire la bonne image pour nous. Oui. Bon, voilà, mais ça n'a pas l'air, nous avons parlé de la procédure. Je bien regrette que. Moi, bien regrette que Mbadban vienne à l'image, côté qui vient, on s'en fait sur la technique, comme ça. Comment il va aménager. Il faut des grandes images à l'étranger, par exemple. Comment il va aménager. Bon, moi, je suis magistrat sur ça. Oui, déjà. Parce que je fais 46 mois de diriger, censé décharger. Et que quoi, j'aime tout à l'heure, et je ne vais pas gagner. Parce que Fatra, c'est quoi tous ces moyens. Oui, actuellement, là, ça, c'est matériel, c'est bulldozer qui sont liés. C'est DUT qui est très puissant. Côté, on prend près de bouler. Vous voulez 10 gallons de gaz par heure. C'est un nouveau lieu, c'est ça. Il n'y a pas de matériel. Actuellement, là, sur 200 en bas, c'est pas même bagage. C'est vrai, Jean Pritchier, c'est comme si son site enfouissement, c'est pas une décharge. Parce que malgré ça, c'est quoi, Jean Doulas, les grandes superficies, 215 hectares de terre. Côté que les gains
partie pour déchets biomédicaux, côté que chaque fatra yo mette à part, quantité et fatra ka bay. Par exemple, toute zone métropolitaine là qui jeté la dedans. Et que gagne des parties tout et que nous croyons que yo était orienté dans sens ça, côté que yo mette des panneaux, les machines n'a venir pour connaître exactement si c'est curage la bay le bon côté. Pour l'albaïli, si c'est fatra l'albaïli. Il y a plusieurs compagnies tout privées sans qu'on en pour qui jeter le bois. Magistrat, tu as l'air de dire un bagage qui est censé. Tu as l'air de dire un bagage qui est censé important. Là, c'est vrai, et Twitcher lui-même, c'est sous juridiction et Mérisité Soleil. Mais pas oublier, c'est sous compte. Twitcher, c'est sous compte SMCS lié. Côté que c'est lui-même qui prend en charge. Oui. Parce que, on déchargement de. Et non seulement bulldozer, là, il faut gagner l'odeur. Quand tu as un camion qui peut faire l'enlèvement, excavatrice, parce qu'il y a 7,8 km canal là-dedans pour censé nettoyer, parce que bon question de nappe phréatique en bas, il y a une étude qui était faite, que y a eu près de l'ambre, et que actuellement la libre est à 20 à 25 mètres de haut. Par exemple, il y a des institutions qui sont venues en bas, qui apprennent des formations, et que nous pensons qu'il y a des déchets qui sont enterrés. Par exemple, si boîte qu'il y a une boîte lettre, ça c'est des matériels spécifiques. Pour t'a gagné si t'a veut faire transformation avec pour connait et bon phénomène faut nous pas écarter de si n'a parler de Twitcher ou les chiffonniers ça les cocoep chiffonniers en bas c'est eux même c'est eux même qui fait tri même si c'est dans le cadre informel mais si n'importe projet bien qu'on pas passer à côté de monde ça parce que information entre moi il prend pour petit 3 ans du travail là même oui de fait tri parce que pas oublier en bas lui même qu'est-ce qui paye. Non, il va me faire dans le cadre formel, côté que pas blessé. Parce que 60% de fatra retourne la ville encore. Parce que en commerce, côté où on y a balé, des déchets plastiques, il fallait justement une politique. Ça veut dire un dossier à toutes les villes. Absolument. Mais est-ce que ces images-là, on peut les présenter au monde? Est-ce que nous avons accepté pour un pays, pas un centre d'enfouissement technique, pas une décharge. Et même décharge là, c'est le président Jovenel récemment qui baille 2 heures pour lui. C'est lui qui nous fait dit ça. Non, il n'y a pas de matériel. Parce que autrefois, si vous avez une image de la montre là, vous avez des compagnies en 2010 qui étaient descendus en bas sur Tech LGL, si vous n'êtes pas en bas, vous êtes content ou Twitcher parce que. Et bien, je sais combien et tout. Pour investissement qui est censé pour faire là, qui pour faire là. Et bien, je vais vous dire ça, je ne vais pas écarter de ça. Parce que SMCS, quoi, j'aime dire, le fatra technique tout, et que nous parlons de ressources matérielles, des ressources humaines tout. Parce que des gens, par exemple, même là, je ne parle pas pour ça comme DPO, directrice planification opération, mais peut-être chaque grand monde, mais nous fatra bien. Mais c'est quoi, reste là, arriver à mettre ensemble pour nous faire des résultats, et puis moyen qui est difficile. L'obgade Twitch, l'obgade et des images qu'il a. Mais actuellement, la soudée, ça n'a pas même bagaille. Parce que immédiatement, bulldozer est venu son autre travail qui fait. Et ça c'est chiffonnier qui fait et déchets au plastique, ou emballé. Il y a des machines qui viennent prendre en main pour faire commerce. Alors, même ça, qui propre, mais c'est quoi de nous dans le conseil? Parce que, faut faire. Donc, c'est quoi là, l'argent, je vais expliquer là. Donc, monsieur, ça a son travail. Il faut que vous avec eux parce que soit font projet et soit ou bien font projet de réinsertion, qu'on y a là ou pour un échantillon, ou pour un vin, là-dedans, il y a beau travail ça et que pour capable dupliquer. Parce que normalement, triage, on aime bien parce que c'est eux qui font. Parce que soit fait, soit bon projet dans le cadre formel ou capable d'impliquer là-dedans. Ok? Alors, gestion des charges, ce n'est pas un balai facile. C'est pas et pas bulldozer seulement le besoin pour le pousser fatra, le besoin de tout l'autre matériel, l'odeur, excavatrice, camion pour faire l'enlèvement, parce que vous avez besoin de pointer ou faire la visite en décharge, puis sur toute route là, c'est des espaces de jeu libres pour transformer fatra et que pour bon notre idée. Les fatra pas obligé comme si vous fatra dans ce jeu libre tout pendant la route là, parce que il y a 1200 mètres sur route principale là et que pour arriver sur ce site là. Moi, je pense que c'est un bel espace. Il faut que vous repensez lui parce que je n'ai pas espace comme ça. C'est vrai, on va qui facile, c'est fait que traiter. Là, dans une explication technique, ça m'a dit ça. C'est la carte de tomber là. C'est la carte. Moi, comme magistrat. Ou on l'a fumé. Moi, comme magistrat, c'est vraiment. Ou on l'a fumé sur route là, on peut aller dans l'autre département, il a passé. Des fois, dit, côte magistrat. Qui ça va faire? Ça, c'est première réflexion pour l'impression.
il a eu le maire. C'est resté, ça c'est lui. C'est deux transferts. C'est deux transferts. Ça que tu dis, c'est que la mairie a mis Fatra là, pendant un petit temps, après ça pour le ville. Mais vous imaginez tout que la mairie de Kavou, pas juste Fatra Cité Soleil, avec circulation gain sous Matissan, sous Bissapin, avec un seul camion, mais il ne sera toujours pas gagné crédibilité. C'est assez significatif parce que qu'on y a, on a le prend Fatra. Mais on prend l'heure de Bozel. On l'a prend l'heure de Bozel. Par une solution qu'on veut dépasser le problème. Ils sont seuls voix, ils sont seuls voix, dépasser le problème. Et ça fait, je m'apprends, nous avons rencontré avec DG MTPTCA et ministre Caillou, que nous saluons. Et nous, nous gagnons la balle en appui pour nous, avec un matériel, pour nous pousser, pour nous aménager ce site-là, et pousser Fatra, et clôturer devant, à le faire rentrer justement de l'autre côté, le temps que nous l'entendons avec Grécie. Ça compte d'où? Mais ça fait tout à l'heure, même bon ingénieur. Ça quand même d'où ça nous est l'intercommunalité indispensable, je dis. Par exemple, quand vous parlez d'un côté pour faire site, si nous avons des parents, quatre communes, quand vous avez intégré. Donc, je vais vous faire sous Grécie, sous Tigua, sous le Gade, parce que c'est nous qui avons l'espace. Et ce qu'on peut tomber pour tout. Ça arrive, bien sûr, ça arrive parce que Kafou, c'est quand même dépassé, ou cette Kafou, dépassé, ou cette quatre communes, ça va réunir. Or, tout problème commun en termes de production de déchets, il impactait justement sur 4 et son menace. C'est tout le temps l'agressé censé polluer parce que le Fatra Sao, il allait directement dans la place agressive. Donc, on approche intégrée, tadouée, tenir compte de ce qu'a présenté comme opportunité, menace pour que ce soit une opportunité pour qu'effectivement on intégré région de Palan. Voilà. Fatra Sao, alors la fine Sao, c'est nous nourrir et chiffonnier qui mettait du feu pour prendre matériaux qui sont solides. Et que même il a fait développement par eux. Mais il a fait utilisation. Ça qui image. Est-ce que ça explique? Donc je dis à pas de mal. C'est ça qui veut que ouais, le problème non. Ils mettaient 4-5 communes ensemble, 5-6-7 communes ensemble, et sous bazar. Nous faisons mutualisation, chaque membre de contribution, l'État venu, nous faisons. Bien sûr. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, je disais tout à l'heure, ingénieur, question police municipale là. Est-ce qu'on marissera quand responsable de ville, comme ça, par une grande police municipale avec avec qui ça va contre nous, on va venir nous mettre du feu. Mon cap pour son tête, mon yo. Mais ma cap dit, j'ai 600 000 personnes dans la ville métropolitaine, je vais avoir une grande force de l'aide à disposition. Mbala, pendant la télévision, il y a un passé Kafou, il faut une police municipale qui a fait contrôle, qui pour empêcher la RSA de continuer. Mais c'est un gros projet à maintenir dans le temps. Faut que les lieux renforcés, faut que la police municipale, quitte à ce que Jean DG et Julien Bouzella, qui nous a fait une promotion de la police nationale, qui a une formation adaptée à la gestion municipale, et puis détachée aux communes de la République, parce que franchement, comment on va assurer la sécurité dans la ville là, c'est tout bas ça, pendant qu'on va avoir une grande force de l'autre à disposition. Mais ça va oublier, nous avons une mission municipalité, collectivité territoriale pour nous entrer plus fond dans le problème ça. Mais je dis à en profiter de Mixan, de présence ingénieur Galiot, pour nous chita sur chercher une solution. Une solution, ça n'a pas gardé là. On demande à qui superficie. Savon, ça, c'est un. Savon, c'est tout le monde. Nous pas qu'à dire, oui, on sait des transferts, mais normalement, bon côté, les grandes raisons, parce que c'est des transferts là. Non, avec les carrefours, côté l'IA, c'est des transferts, les bagues durer plus que 24 heures de temps. Mais qui est-ce qui va nous donner? Non, pour nous dire là, et moi, je n'ai pas de matériel. Parce que pas de bagues de l'argent. Oui. Comment que là, ok, vraiment que là, nous avons des ministères intérieurs qui ça c'est quoi faire, non? Dans le domaine finance, nous avons des TPTC. Qui coiffe nous techniquement. Avec dire, il y a un partage politique de la question. Oui, ça veut dire que c'est une question. Ou c'est technicien ou il n'a pas parlé. Bon, ça. Qui va parler aussi ça va aller. Voilà. Technicien, ça va aller. Voilà. Les mêmes, nous va regarder avec, mais techniquement, comme ça. Voilà. On va regarder des politiques à tout fait techniquement. Non, pas c'est en technique. Non, d'abord, il faut politiquement, on dit. Ou bien technique. Non, d'abord, il faut une décision politique qui dit définitivement, nous-mêmes, maire, président de la République, le premier ministre, ministre, parlementaires, nous ne sommes pas d'accord à Fatra dans un constat encore. Président, il fait des classes ça. Oui, bien sûr, il fait, les affaires, nous voyons comment c'est dans le matériel. Les affaires, oui, mais moi, je dis qu'une fois que une décision comme ça qui prend au niveau politique, qu'on a regardé, le technicien va le dire, mais moi, il y en a besoin
pour nous atterrir. Qu'on y a là, on va regarder combien de ménages combien de cailles, pour Kafka, il faut bien 102 000 cailles. Chaque ménageur, il y a 500 gouttes, il y a 1000 gouttes, évaluer besoin et identifier l'origine. Moyen pour nous pas mobiliser. Pas de possibilité pour faire de la gérer bien, c'est pas de l'argent là-dedans. Oui. Faut le faire, nous nous payer. Faut nous payer. C'est transformation SMCRS en SNGRS là. Ma plus préoccupation sur lui. D'ici 23 là, c'est ça, 23 au mars ou bien avril. Nous pas vu venir sur dossier comme ça là, on te charger belle catab. Effectivement bien déposé mais pour rien, loi voter quand même. Mm-hmm. Et malheureusement, il est vrai que, alors faut me dire, honnêtement, il faut saluer l'initiative de la part du député Garibaudo. C'est déjà politiquement un jeune garçon qui n'en pense, il dit, ah monsieur Fadra Babon, on fait une législation sur lui. Sous principe là, moi saluer. Mais sous démarche là, nous avons réserve. Parce que les acteurs n'ont pas été consultés. Les recommandations qu'on a faites justement dans le texte n'ont pas été prises en compte. Et nous pas été fait la prise en compte de nos recommandations comme acteurs et bosser SMCRS pareil et tout. Et nous avons rencontré avec le président Jovenel et nous avons dit, Jude, d'accord, fais recommandations parce que nous avons besoin de solutions. Nous avons maintenant retenu des problèmes. Nous là pour des problèmes, mais pour des solutions. Par exemple, FENAM est membre du conseil d'administration. Il y a trois membres de la fédération qui vont siéger au niveau du conseil d'administration du SNGRS. Ça veut dire que ouais, politiquement, vous volonté pour impliquer les maires de la gestion. C'est bien. Mais attention, nous te parler de dire que si SMCRS jeudi a pas arrivé et porter solution sous zone métropolitaine, non. Est-ce qu'on peut élargir compétences au niveau national? Deuxièmement, si c'est le cas, qui m'a en abalé? Qui m'a en abalé pour le venir? Parce que Kafou, SMCRS va venir massif à Kafou. Ah, d'accord. Je vais répondre. SMCRS va venir massif à Kafou. Il y a 8 points de collègue que SMCRS identifie parmi les gens qui sont Kafou. Même qu'il y a une relation privilégiée avec DG, avec les INEA, nous avons levé de tout à l'heure. Mais ça n'a pas suffi. Et chaque level, chaque 2 semaines, ça suffit. C'est officiel. Voilà. Donc, par le programmation, ça commence à prendre, assurer que Fatra, nous, j'ai Fatra, nous, j'ai Fatra dans la caille, mal Martinique, nous avons un camion, je dois déployer matériel. Et je vous dis, avec appui du président Jovenel, que nous remercions, nous avons une capacité pour nous faire collecte, pour nous amener. Mais si nous avons des choses, nous avons des machines à l'écafou. Pas de gens qui ont des qui viennent à l'écafou. On a des capillaires. Ça me dit, c'est parce qu'on n'a pas vrai ingénieur, on n'a pas vu la culée, on n'a même dit ça va passer à l'écafou. Oui, tout camion, et les camions viennent en coopération. Et c'est le président Jovenel qui va nous deux camions. Il faut profiter de ça pour moi lancer un appel. DG supermètement à l'autre mairie qui dit que toute mairie jaune le cojoine non. Je dis toute mairie, mairie Cité Soleil, collègue moi, Islain, Zami moi, et tout le monde qui a mobilisé sur question ça, que Cité Soleil partage matériel là. Moi, je dis non que des 50 matériels le président Jovenel a acheté, compressif, il va distribuer par toute commune ça. C'est le 7 février qu'il a gagné 4 ou 6 achetés au SMCRS. Au lieu de SMCRS, il est reparti par 4 communes. Donc, tout reste connu, il y a 50 matériels, 50 compressifs qui sont venus pour vous. Eh bien, il y a sous de l'eau, il y a déjà commandé dans le cadre de Caravanor. Moi-même, je dis ça, moi, je partition pour chaque commune comme président de la fédération. Je vais dire la vérité, demander à mon Cité Soleil qui a des problèmes parce qu'il y a beaucoup de gains, pour me dire que le matériel lui a venu, tout comme de dire avec le collègue René Colin qui a un petit problème pour ça tout. Et pareil pour Kenskoff, tout le matériel lui a venu. Et chef Lio, Jérémy, Jacques Mel et au Cap des Jardins, effectivement, tout adjoint et grand ville, et chef d'arrondissement, le 17 mars, tout ça, tout des matériels qui ont venu joindre, Grissier, à Carrière, Ville Sahara, peut-être ça, il y a bien matériel là-dedans. Donc, comme tout le beaucoup venu, c'est matériel SMCRS, le droit SMCRS que le président a décidé de voler par les lieux parce que nous avons un combat dans la mairie. Il faut stabiliser davantage la mairie pour conséquences politiques, pas nous-mêmes comme maire qui a supporté, alors que nous avons une responsabilité dans le ramassage. Donc le président avait compris tout ça et commencé. Nous pensons que c'est pour nous saluer et remercier le président Jovenel qui a décidé de le passer par SMCRS. Tout le monde a venu joindre et le matériel qui a venu et il a fait mort au début du mois d'avril, effectivement. Bon, avant de nous proposer, on va monter l'éclaircissement quand même. Oui, oui. Question et camion aussi.
Parce que normalement, la programmation, c'est comment on fait. Chaque jour, on fait. Parce que nous avons responsable de programmation, nous avons supervision. Côté supervision, aller détecter FADRA. Puis on fait détecter les revenus, les informations, et puis nous-mêmes, nous montons les dossiers. Ça qui arrive, nous pas tout. Parce que quand il y a des gens qui ont des bacs, des gens qui ont des odeurs, imaginez, il faut arriver sur quoi des bouquets, il faut arriver sur tabac. Bon, Delma, lui-même, l'antigen, et ça c'est autonome, les gars. Pas l'antigen, il faut dire la vérité. Mais c'est la Il y a des gens qui ont des problèmes. Il travaille sur la ligne côté que l'officiel lui a passé. Ce qui est logique, hein? Mais pour nous-mêmes comme citoyens, c'est côté de ça va passer sous les salles. Tu veux pas moyen pour le travail. Ça va, qui t'aime dire le bagage de quoi, d'accord? Qui t'aime faire parler, non, magistrat? Oui, imagine, dans le cadre de programmation, c'est ça, nous avons responsable de programmation, nous avons des gens qui font supervision, nous traitons de données, après ça, nous voyons dans la commune. Par exemple, il y a des communes qui ont des bacs l'odeur, qui ont l'odeur, nous voyons, nous avons 5 ou 4 camions, nous gérons tête de l'eau. Depuis, nous avons un flop de 10 machines, la dame pour nous faire enlèvement, parce que normalement, des chaises à eau, c'est tout cher pour aller jeter l'eau. Parce que jusqu'à présent, ça peut correspondre avec l'homme pour des charges. Je suppose nettoyer. Nous avons la programmation là pour nous faire, c'est parce que nous avons l'odeur qui ça c'est pas pour les grands problèmes de service. Aussitôt qu'elle fait des choses, nous avons venu avec camion pour nous faire. C'est pour nous faire là pour nous travailler là-dedans. Parce que normalement, jusqu'à présent, ça peut correspondre avec l'homme des charges. Il faut nous traiter dans ce sens. Et que tout à l'heure, tu parlais des questions dans la visite ou fait à l'étranger, nous-mêmes tout. Et que par exemple, Si actuellement là, il y a des travaux sur besoin faire ou du moins j'ai des charges là et là qu'on y a. Par exemple, là on visite en décharge, ouais, on branche pas de même. Depuis la route, qu'on y a là, il y a peut-être une opportunité économique, côté que faut tracer l'argent. Tout autant pas arriver là, il a pris le problème. Donc, quand tu parles, même parce que dans le monde qui est passé, qu'on fait ça, et c'est très important, il faut SMCS bataille pour le bon corps pour le faire colloque, parce que c'est très important. Il faut nous venir dans des mounions, il faut citoyens viennent parler de questions FADRA, parce que je dis à l'écrire une nuisance. Jamais été côté plainte pour nous déjà dans ce sens-là, quand la gueule. Nous avons de l'eau, et puis c'est votre lame, non. Je ne veux pas nous ne pas faire comme ça, mais nous c'est job non pour nous sensibiliser les gens dans ce sens-là, parce que des jours, un jour, nous venons plus de monde, c'est l'État nous, il faut nous capables de faire un travail de prévention pour nous capables de résoudre le problème. L'autre question encore, et que le ministère de l'Environnement, tout ce travail est important, parce que normalement, nous avons dit que nous avons fatra et puis même la PDMT, par exemple, M. Bouret, je ne veux pas travail nous fait actuellement. La mairie d'Elma qui me félicite parce que le dépôt bon commissariat est censé éliminer et ça ensemble nous discuté dans ce sens. Un paquet de monde avec Bourette, quelqu'un fatra, quelqu'un qui peut jeter. Qui peut jeter? Le général est venu la guerre. Ou mon capteur est dans la rue, tu es bailé pour être capable de déposer. Ensuite, il y a des qui des côtés, nous souffrons éliminer des pour mettre en deux ben 45 mètres cubes, 90 mètres cubes, fatra levé. Oui. Vous comprenez? Mais si nous avons 40 caissons qui n'ont des pour et puis nous avons près de 7 ben de 45 mètres cubes. Nous mettons des travailleurs, parce que les travailleurs, c'est qui ça vous le fait? C'est central là pour dire, viens prendre ben pour Wolof là, pas obligé. Sorti même là à compressif, même là avec Flotio, disposé toujours disponible pour être capable de lever bien. Il y a un peu de matériel. Côté que Méridel Margain, près de 60% que lui-même les bail, on vous gagne
ou gagne l'autre et compagnie privée autour qui bâtit des 12 000 m3. Non, mais bon, vous réservez sur ce chiffre ça. Non, ça c'est ça, nous devons jeter Twitcher parce que il y a des points qui prennent l'autre, plus c'est Guy qui a baillé cette machine. Non, bien sûr. Donc, notre machine qui a cliqué, il y a jeté dehors. Génial. Donc, à ça, et le massage du fait de Kafouyo. Nous allons entrer dans le chiffre officiel, le statistique officiel. Parce que nous. Vous jetez dans notre site de transfert là. Absolument. Oui. Moi, je suis dans le site de transfert là. DG, il y a un Haïti qui m'a fait avec Kafou. Qui m'a dit Kafou. Parce que vous avez un avantage. Vous campagne, vous avez un campagne citoyen. Effectivement, aucun citoyen. Oui, quel citoyen. Vous avez un bouquet de ça. Et quand vous faites plus fatra avec Port-au-Prince, chiffre là. Parce que dans la quantité de monde, quand vous effectivement. Donc, quand il y a comme si la souille est là, l'homme prend quand même tout le cas avec le bas de saison, l'homme qui a fait 2 heures de temps, dit qu'il m'a fait 20 minutes ou bien 10 minutes. Ma souci sur elle là. Mais c'est le placé pour ça, magistrat, pour jeter fatra. Hein? C'est le même homme ni respecté pour ça, pour bailler pour jeter fatra. Non, si vous ça pas même pas respecté, en bas, d'accord. Un petit pause, on a parlé avec le président Fernandin, qui c'est magistrat Jude Edouard Pierre, qui les mêmes tours, c'est Amo. Et bien en même temps, président magistrat Gafou. Et nous gagnons avec nous, ingénieur Marie Ganette Galiot. Qui c'est DPO dans la directrice de planification de la SMCRS. Je propose, auditeur, auditrice Radio-Télé-Guinée, et très content encore une fois de rejoindre nous dans l'émission Bâti Haïti. Bâti Haïti, c'est une émission de rêve et chaque monde, chaque édition, nous gagnons avec nous déjà ouais, qui côté que nous voulons aller. C'est pour nous-mêmes, nous sommes capables de sensibiliser, nous devons rêver tout. Nous devons rêver dans Carrefour, nous devons rêver dans Port-au-Prince, dans Delma, dans Tibiwantou, dans le pays total capital, côté que nous-mêmes, pour capables de monter colo, pour garder, et leur vie garder derrière, pour dire ça, c'est œuvre PAM, mais contribuer là-dedans. Édition ça, je vous dis, ouais, nous allons sur Fatra. Nous allons sur Fatra, nous allons sur l'aspect technique, c'est technique, et puis ensuite l'aspect politique, c'est qui solution tout, c'est pas critiquer. Et nous avons gardé responsabilité tout le monde. Ou même, nous devons arriver sur le monde responsabilité pas. Bien que le président Fernandin, le magistrat Jude Edouard Pierre, lui-même, il saute pas l'eau de trois gros points qui sont capables de mettre, qui sont capables plus ou moins de rendre nous à l'aise. Et ingénieur Marie-Ganette Galiot, technicien à la matière, son ingénieur d'abord, lui-même qui a travaillé tout, et en même temps qui s'est DP directrice planification des opérations du SMCRS. Donc, magistrat, n'a que du fatra toujours. Oui. Mais cependant, gagne, nous avons en action ces derniers temps, à côté de toute la zone métropolitaine qui a boumé, nous avons commencé à gagner des âmes dans le monde. Oui, résidence dans le cadre de caravane, nous-mêmes, magistrat Yuri Chevry, magistrat Nice Simon, magistrat Dominique Saint-Roch, alors même que c'était soleil. On vous regarde là. Gagne, matériel. Ça a eu qui s'en fait nous passer dans le quartier on a fait collecte. Je n'ai pas à dire. Si vous tirez Fatra, moi pour Fatra Kaimoun, non. On va venir sur Gangoui encore. Parce que lui payer une série de mon abouette qu'elle prend dans la Kaili, ça pourrait. Oui, oui, oui. On s'est payé mon abouette, tu vois, dans la Kaili, car on a la semaine. Là, nous faisons le gratis, chérie. Nous avons programmation dans chaque quartier et nous baillons dans chaque cas nous passons à numéro de téléphone, nous déposons nos 10 mounes. Par exemple, si chaque mardi, chaque mercredi, nous avons passé mardi 2h, puis 2h, caméra, nous mettons sirène sous lui, et bien depuis nous vivons en tête cafoua, nous laguons, et puis tout le monde, et bien mettez Fatra dans sa chaîne, mettez-le dans le sac, venez déposer le camion pour la mairie ajouter. Je pense que c'est un bagage qui a marché cafou aujourd'hui. Nous avons commencé à faire la transition à président Martelly, même devine aller. Il ne faut pas continuer en tant que parce que le matériel devient pas de neuf. Ça, c'est des matériels tout neuf. Donc, il y a plus de temps et je m'annonce tout que je suis compressif. Et moi, je joue dans la coopération justement. Cap entrer dans le fermoir. Et pour nous augmenter la capacité, ça a fait nous neuf compressifs dans le Carrefour. Et bien, nous parlons régulièrement dans le quartier Albert Fatra. Donc, on a fait ma juste souci de transfert là. Et fait nous payer plus de taxes tout. Pour nous avoir un moyen de mettre gaz. Il a gagné 4 masculines, 9 compressifs, 1 leader, 1 barco, et bien, excavatrice, que nous avons gagné avec nos Port-au-Prince encore même sur une fête de curage. Donc là, il faut qu'effectivement, il y ait moyen pour continuer. Encore une fois, je remercie le président, Mme Mounkafou, qui
bah, nos matériels ça qui a vu de ça samedi gain qui a fait que je disais dans bail service n'a nous vraiment reprendre du poil de la bête par rapport à la transition qui nous était marqué avec question programme tout dans voie ria et aucun citoyen je disais nous en situation pour nous vraiment commencer côté amélioration de la question FADRA. Et monsieur, est-ce qu'au niveau de la collecte, ça c'est une étape hein, du processus, c'est la collecte hein. Oui, ça c'est SMC. SMC, c'est la collecte. Donc là, après, nous allons aller dans la valorisation, ça fait, et à la fin de ce mois, du 23 au 29 mars, et moi-même, Maïssa Huchevry, Maïssa Nissimo, Maïssa Dominique Saint-Roch, Maïssa Esnay Frédéric, nous allons aller au Canada pour faire une visite dans une compagnie qui est les 15 technologies, qui intéressait vraiment, qui dit nous, on s'en que, il n'y a pas besoin, on s'en tient de l'État ici, juste besoin, on espace, avec un accord avec la présidence. Pour lui construire une usine de valorisation de grâce à mon président Jovenel Café avec Montaïo, une construire une usine ça qui va valoriser des déchets pour nous parler et ça. La porte de job, la porte de job, la porte de job, c'est quand même 350 jobs hein, au départ. Et il parle pour de l'électricité, là, c'est ça la valorisation des déchets, c'est donner une deuxième vie à ces déchets. Donc, on va valoriser, par exemple, même d'aller visiter et Tristan Trisson en usine, transformation de déchets au Canada, à côté que 20 communautés qui sont ensemble. Il y a le prêté comme la banque en 96 de construire une usine, ça, pour 2 millions de dollars canadiens. Année passée, communauté comme, ou bien sûr, communauté qui sont ensemble, il faut savoir l'intercommunalité, MRC, c'est une municipalité régionale de comté, par exemple, Carrefour, Delma, Pétionville, Tamé, Tétion, ensemble, Port-au-Prince, Tabac, nous faisons intercommunalité, nous montons dossier, eh bien, nous faisons une usine sous transformation de déchets, qui a coûté 10-15 millions de dollars américains. Eh bien, moi, qui appelle le poche, nous valoriser les déchets, nous faisons citoyens européens. Comment ça a commencé, DG? Après 10 ans, l'usine, ça a été faite pour 2 millions de dollars canadiens, nous engrangé le bénéfice de 6 millions de dollars canadiens. Et tout bénéfice là, lui réinvestit dans la sensibilisation seulement. Vous entendez? Oui, la sensibilisation de protection de l'environnement. Oui. Vous entendez? 20 communes qui ont coûté 2 millions de dollars canadiens en 96. Je dis à l'électricentrice, au niveau de bois, c'est extraordinaire, c'est une merveille. Mais c'est 2 millions de dollars canadiens. Je dis à me demander à directeur exécutif là, c'est IOA, combien entreprise ça vaut? Je dis à lui 12 millions de dollars canadiens. Ça fait quand même 20 ans. Le conseil d'administration qui est géré par le maire et puis une direction exécutive. Et c'est ça nous expliquer que nous avons fait des marchés au Canada, la ville est accompagnée, nous déjà dit clairement dans notre pays, dans le projet de Vouille Banon, il y a une fondation et Bill Gates qui est déjà prêt pour financement, une fondation canadienne, nous sommes besoin de rencontrer le président. Pas le président, mais rencontrer le gouvernement pour une autorisation officielle avec le ministère de l'Environnement. Et nous croyons que le président Jovenel va nous dire ça, puisque nous participons à la rencontre ça et tout. Et le ministre de l'Environnement, député, ancien député Georges Simon, qui est à Taïwan, il a fait discussion toute le ville, travaille son projet. Comme ça, je pense que les réflexions, je veux dire, en fait, il y a un portage politique plus ou moins acceptable. Je pense que dans un an, deux ans, que les gens qui ont commencé à faire, montrer que nous avons une dynamique de changement de manière irréversible dans ce pays, à ce qui sont fatras. Ingénieur. Bon, oui, magistrat a parlé de questions collègues. Moi, je pense que le travail ça SMCS était habitué à faire. Et nous chutons avec le président de la mairie, côté nous discuter ensemble, nous définir des stratégies ensemble sur ça. Je dis, je dis, si vous êtes capable de passer dans la zone, faire collecte, moi, je pense que le travail est lié avec le matériel tout. Oui. Tout autant gain plus compressif. Parce que si vous commencez à faire collecte, là, peut-être que ça ne va pas rentrer dans la logique là, actuellement. Là. Si vous commencez à faire collecte, il faut mieux matériel. Parce que, par exemple, si vous passez dans une zone, il n'y a pas de matériel pour passer du monde. C'est important pour nous, parce que normalement c'est compressif qui devait faire. C'est important pour SMCS, le président de SMCS, compressif tout pour le capable. SNG est la semaine même. Bon, oui, on est. Mais comment on va demander Fenam et qui président hier en correspondance pour lui demander de rencontre sous transformation SMCS en SNGRS. Parce qu'il y a le personnel aujourd'hui qui est en personnel du SMCS. Qu'est-ce qu'on va en faire? Il faut nous décider pour connaître Avenue Monzaï ou pas à la gueule comme ça. Ou d'accord? C'est quoi? Il y a 500, 400, 1000, on connaît. Donc Monzaï ou pas transformer. Le cadre, c'est des employés de service. Côté que qui est important, tu as parler là, de extension. Il est important pour nous travailler ensemble. Par exemple, on prend un Twitch, des CD, mon capteur là-dedans, qui est très vulnérable.
je dis à des gens qui travaillent dans la FATRA, ils sont fous. C'est dans ce centre que vous avez. Ce sont des choses très importantes parce que nous avons trouvé le ministère de la Santé publique pour le vaccin. Voilà. Parce que le FATRA a des maladies, les bails même avec Jean de Montaillot. La FATRA, non seulement la FATRA, par exemple, le FATRA a un bon nombre de temps, il n'est pas là, il n'est pas traité parce que nous ne faisons pas qu'un temps tout chez nous avec des matériels. Vous connaissez ça, ça veut dire que gagne de l'eau, gaz cap dégagé. Gaz cap dégagé, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Vous pensez que je vous dis à l'instant. Ça crée des problèmes. Ingénieur, si vous me dites que vous me connaissez sur l'ordre, par contre, très malheureusement, il est absent, le MSPP, à ce niveau-là. Et c'est ça qui manquait la coordination au niveau des actions de l'État, du gouvernement. Mais bataille-là, parce que nous regardons bien. Il n'y a pas de bel projet, soit aller dans le ministère de planification, bel projet. Mais je ne veux pas dire la cohérence là. Je ne comprends pas, mais je dis la cohérence là. Par exemple, on travaille pour bien des côtés, ou bien les limites là-dedans, et puis son autre instance qui peut continuer. Moi, je dis ça. En fait, qui te fait là. Imagine, l'autre cadas de GI, instance ça, il n'y a pas capable de travailler de conserver, et pour détecter qui. Et qui était en l'état, ou gagnant sur votre fond bagage. Par exemple, des projets par exemple, on va parler là, il faut gagner des grands espaces. Vous comprenez, on n'est pas capable de travailler à CADAS, qui sont une entité importante d'activité, on n'a pas travaillé avec des GI. Ingénieur, vous profitez bon moins 30 secondes, si vous permettez, sur la question des GI. Là, on est obligé avec des GI Morland et des GI à l'OEDA pour me demander hier pour y aller faire un partage pour moi parce que vous occupez. Je suis prêt, mais je suis là, je suis là, je suis là, je suis autorité comme un secteur d'État. Ça fait un code DGI, il y a plusieurs espaces, nous sommes utiles, nous avons besoin de garage municipal. Machine dans la rue pour me prendre, pour me voir à la casse. Et mais ça, et pas un cas saisi, pas un cas qui est tombé dans le domaine. Nous remettons ça à DGI, on remet DGI, nous remettons une correspondance, non, une correspondance, nous remettons pour aider nous, nous avons remettre une bibliothèque municipale, nous avons construit, nous avons l'argent construit, nous avons construit. Gontien sous carré qui occupe tout le monde qui a fait connaître son territoire. Donc, je vais me mettre pour le dire clairement, pour qu'il est lié et remettre à la mairie pour me construire justement le municipal. Si je vais quitter la mairie, je vais me inaugurer le municipal, je vais partir vraiment avec l'esprit de l'université. Moi, félicite au grand, je ne vais pas ignorer ça parce que si je vais parler là, avec du travail de conseil, avec l'équipe technique, si ce n'est pas avec technique, pas avec la politique. Mais il est important que vous belle équipe technique en dehors. Génie municipal là sont forces liées. Voilà son service qui est dans génie municipal. Par exemple, il y a des dossiers, par exemple, question de domaine, c'est eux-mêmes qui peuvent aller à chute avec des génies. Normalement, on a supposé un petit bureau cadastre en dedans, mais il y a même pour être capable de travailler sur une série de dossiers. C'est ça, tout le monde dit ça, ingénieur, on dit autres cafés sous d'un cafou, quel que soit le monde cafou qui a cherché papier, terre, non, il a été perdu. Parce que Mairie Carrefour m'a dirigé à pas bail papier terre. Ou bien construction, ou bien pour payer, c'est dans Mairie. C'est ou bien pour locatif, c'est dans DGI pour aller DG. Nous prenons tout terre en bas, chaque faux papier là mais. Et papier ça, nous ne pas reconnaître. Nous avons écrit DGI pour DGI ça. On communique, nous fait sortir. On dit que nous-mêmes, magistrats Carrefour, nous ne pouvons pas entrer en question ça. Pas venir demander tel état dans Mairie Carrefour. Depuis en 2004, fréquenter Mérica Fou avec Maïstra Gérard, Maïstra Yvon Jérôme, Maïstra Ronaldo et notre Maïstra de Foix, nous toujours écartons de ça. Question tel état à Foua, nous disons que pas venir dans mairie à l'IGI. Et si on va déléger tout, on a fait notre devoir pour quitter l'espace là, l'arrage municipal, besoin construit centre de santé, besoin construit l'état municipal, tout terrain est occupé et nous n'avons ni payé pour locatif, ni de. Faire fermage dans l'eau, on pense que c'est le magistrat, nous pour mettre ensemble avec DGI pour régulariser ce qui se passe. On a conscience de cas sous tel état, sans papier, l'état de l'eau de l'état de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau et puis on a la parole de craser cas là, on a fait 10 ans que l'on jamais payé, on va le payer le boulot. Donc on pense que c'est l'état pour nous changer et c'est avec la collectivité, si nous voulons faire changement tout bon, et bien avant de nous ouvrir sur question phénomène avec ministre planification. Pour une transition qui est assez importante, les collectivités sont indispensables pour l'avenir de la République. Et ça fait une question de terre encore une fois, mon carrefour, une question de terre sur le rail, pas passer la mairie à la DGI. Si je n'ai pas la mairie de beau papier, il faut papier. Et si je n'ai pas la mairie, je fais la justice, arrêtez-nous. Je dis-nous ça.
Donc là, pratiquement, l'autorité locale a cherché un gens là pour prouver, parce que si le premier magistrat ça a, les mêmes premiers citoyens de FEDAM, qui est la Fédération nationale des maires d'Haïti, donc nous ne croyons que l'autorité consacre complètement. Mais par contre, ça fait, nous prenons des mesures. Il y a mon moralité, il y a mon fait tribunal après, effectivement. Mais il y a mon cap continue de faire raquette sous tel état. Pas venir à la mairie, pas responsable des papiers de l'État. Et me dit magistrat, ça. Me dit ça. Parce que les conséquences sont graves. Hein. Nous n'avons pas une autorité pour nous vendre de l'État. Mais c'est en 10 minutes. Nous n'avons pas vendre de l'État. Avant d'aller dans. 10 minutes. Non, l'homme de ça, en 10 minutes que nous étions pour nous parler de technique. Ah, vous d'accord. Ah, ça, c'est là, c'est une question de fonds communaux. Fonds communaux. Mais ça, parlez-nous de site de transfert. Qui ça a fait qu'on y a là? Bon, ça, c'est le site. Ça, c'est toi là. La signé ça. Ça, je dis ça que il faut me remercier le public encore une fois, ministre Caillot, qui sont instructions président, et a prêté un 2 heures justement pour nous aménager l'espace. Là, ouais, 2 heures, pas de la fumée ça. Et nous, par clôture devant, il y a un de l'eau, on compagne de l'eau de bois, 50% de l'eau à jeter sur la route là, nous convoquons, nous allons jusqu'à jeudi pour répondre. Moi, la route là, on va s'écraser. Hein? Ou t'as fait une case nette et c'est une case. Ouais. Nous allons jusqu'à jeudi pour répondre. Nous allons répondre, la force, la puissance publique sera à ses portes. Et on va le faire vendredi matin. Pour ça, nous allons clôturer devant, 2 heures. À pousser en dedans, c'est une possibilité, ingénieur et garde pour faire un enlèvement pour nous, c'est bien utile. Et puis, nous allons faire un passé ce côté à DGA, en train d'avancer sur ça, parce que outre l'aide, nous, dans l'Amérique à fou, leur passer sur derrière la porte. Que les stations qui n'ont qu'à fou, Miami, à la sortie de Kafou, on met bien ça, retire comme madame, parce que ce qu'on va passer dans le week-end, l'opération va commencer pour déloger. On va faire un aménagement de l'espace là. Je ne sais pas si ça on va avoir. Je ne sais pas si on va avoir comme magistrat. Sauf que je vais communiquer, je vais faire. Donc, nous avons matériel qu'on a à la main. Parfois, je dis à 90-95% de monde passé par la route de rail pour traverser Kafou. Il n'y a pas qu'à l'état ça. Nous avons commencé notre transition avec l'aménagement de parterre, nous faisons terre pour cette là. Nous allons continuer. Nous allons faire terre sur la terre là. Effectivement, mais samedi, même on est là de le soir déjà. Femme de police municipale. Et si la police ouvre la vie de faire sous parterre, lui mettre campé là dans le pays de Fribe. Parce qu'il n'est pas assigné aux tâches d'assainissement. Donc, si une police municipale, la préfète, les affaires, même parce que les GGD sont en bonne voie ensemble avec nous, pour lui impliquer la police dans la question Fatra, parce que quand même, il faut gagner une coercition qui est exercée contre le monde qui a pu jouer Fatra. Moi, j'ai un grand problème. Il y a un problème qui gagne. Machine ça. Quand elle a dit ça, on dit depuis que je branche pas pour attendre l'équité, on est en train de s'ajouter. Caca ce machine, il faut former, il faut dégager, il faut lever. Parce que là, il faut libre. Parce que moi, je n'ai pas de parler, mais comme ça, même travaux ingénieurs, même travail, même raffiné. Parce que comment des fois, on a levé pour faire travail, pour voir pas qu'être crasse à travail. Et de là, on est venu, depuis où il y a des fois. C'est le plus grand. Il faut déplacer ma machine, ça, parce que vous pas arrêter de voir ça là, pour venir mettre en station là, et puis caca ce machine, il faut lever. Et puis pour là, il y a libre pour mon calibre, faire travail, mon cabane. Ingénieur. Quand on gagne le vent, président FEDAM, qui nous même, c'est à tout. Mais il va parler de problème, ça, c'est un premier problème, il est bon. Il faut oui, ça. Oui, par exemple, on nous dit ça encore une fois, magistrat jeudi, c'est magistrat qui fait plus dans le domaine de ça encore, parce qu'il y a un manque spécial, magistrat, c'est un rock, comment c'est ça? Là, je me remarque tout, ça. Depuis lundi dernier, il y a un remont qui a foi. Il y en a oui, c'est elle, mais nous appelons moins parce que par rapport à ça, des communes qui me disent ça, pas que des machines dans la rue, parce que depuis qu'il y a eu, le remontage là, a en action contre tout. Et le monde pour surtout, c'est vraiment c'est leur dernière semaine. Opération de localisation pour aller recommencer parce que il y a des que ces corps nous va reprendre qu'à niveau et surtout deux postes là pour route là pour recommencer. Le président Jovenel Guéant rentre avec nous fait qu'à niveau tout droit la mettre asphalte pour nous, donc mairie Tabar il a fait au pile qu'à niveau tout droit mairie Delma pareil, donc mairie Carrefour pour recommencer. Il m'a commencé deux postes lundi prochain.
mais des supports à la police. Donc c'est travail de l'homme. Ah bien sûr, c'est Dieu qui a créé tout. Ce sont zones, c'est premier route qui a asphalté Carrefour. Et récemment, je suis allé visiter, mais nous avons ça, même quand je suis visiter, nous avons étalé et ce côté qui a passé tout le temps à la rivière Ford là. Et bien, nous disons que nous avons des postes, et mon habitant qui a souffert de des postes, jour de livrance dans l'Union, mais nous avons pu nous, mais si ma chaîne, nous avons vendu des postes, sinon on revient à vendre. Nous avons déplacé, pour c'est pas la police avec la justice qui a fait force sur nous, parce que l'argent de PC, on est pour mal faire, il y a 500 mètres linéaires toujours. Alors, 1 km. De caniveau, de tout droit, pour me reprendre le caniveau, et puis l'asphalte après, pour me donner la présidence dans un problème, pour me mettre l'asphalte sur lui. Tant pis, retirez-nous, continuez là, avant que la justice, la police soit venue, parce que mon bon projet d'aménagement de l'autre bois, on a déjà gagné une cinquantaine de lampes, et 5 transformateurs, avec moyens pour nous faire reprise caniveau, pour nous faire mon café vivre. Des postes, moi de support toute population, moi de députés, sénateurs, autorités locales, kazakazek, pour te supporter à mairie, parce que pas de temps encore, bah, ils commencent à débloquer après un an de PNPC, jeudi, à disposition mairie, on va commencer à projeter, donc il faut que nous jouions support population, un peu pour payer taxes, mais tout pour solider les actions municipales, parce que ce qu'a fait là, c'est pour la fête. Mon des postes, nous disons ça encore, mon marché du Valle, mais la rue, nous va commencer par ce bon moyen de marché là, qui prend 700 places, et mieux puisque il y a environ 400 personnes qui sont sur la rue. Donc nous ne pas mettre les gens en rond, nous ne pas craser les gens, nous disons ça, ce n'est pas parole de la belle. L'arrivée, justement, pour un centre d'action concrète, rigoureuse, effectivement, nous reconnaître ça, pour le fait, nous demander à la population, dans la capacité de la paix, de la sérénité. On dit qu'il faut mettre ça. Bon, ok, il faut. On quitte CAFO, on quitte SMCRS, on quitte toute fatra sa qui n'a la rue, on a une bataille qui a fait. Bon, bonsoir. On a une question qui fait la une de l'actualité. Et d'abord, après, on a fait un de la rue, on a gardé un qui a manifesté pour être élu avec pouvoir dans le meilleur. Un bon petit gardé. Un bon réunion extraordinaire, fait un ça. Les maires de la République. Ça, c'est une solution. Réunis à l'extraordinaire à l'hôtel Caribé ce vendredi 23 février 2018 à l'effet de décider de l'avenir des collectivités territoriales, des municipalités spécifiquement en vue du renforcement de la gouvernance locale, de l'effectivisation, de l'amélioration des conditions de fonctionnement des mairies pour mieux répondre aux attentes des populations des différentes communes d'Haïti. Les conditions difficiles dans lesquelles les mairies de la République fonctionnent, ce qui les empêche de s'acquitter de leurs responsabilités envers les populations, considérant que les attentes des populations ne peuvent pas être comblées par rapport aux faiblesses des mairies dues au manque d'encadrement, considérant que la Constitution de la République en vigueur fixe les limites et les attributions des différents élus et organes de l'État destinés à réaliser des projets de développement au niveau local n'ont pas été décaissés depuis plus de 2 ans. Considérant que les maires et les kazakhs de la République sont des agents de développement, considérant que des parlementaires, des délégués et vice-délégués, des directeurs départementaux travaillent en dehors de la limite de leurs attributions, considérant la nécessité de rendre effective la décentralisation et la déconcentration permettant aux collectivités territoriales de s'acquitter efficacement de leurs responsabilités envers leurs populations respectives, considérant que la nécessité de rendre effective la décentralisation et la déconcentration permettant aux collectivités territoriales de s'acquitter efficacement de leur ministre de la planification et de la coopération externe constitue un manque d'égard et une gifle pour toutes les collectivités territoriales, considérant que le ministre de la planification et de la coopération externe à Viol-Fleurant crée une situation conflictuelle entre les kazakhs, les maires et les parlementaires, rendant ainsi dysfonctionnelles les collectivités territoriales
en octroyant aux parlementaires les fonds communaux. Tous les maires de la République exigent 1. Le départ du ministre de la Planification et de la Coopération externe à Viol-Florent du gouvernement avant le lundi 5 mars 2018. Ce, pour une meilleure harmonie entre le pouvoir central et les collectivités territoriales. Dans le cas contraire, nous prendrons toutes les dispositions qui s'imposent, et ce, sans exclure la fermeture des portes de toute la mairie de la République. Deux, le virement immédiat sur le compte des mairies des 5 mois de retard d'allocation. L'Assemblée des maires demande au conseil exécutif de la FENAM de prendre toutes les mesures. Action d'imposer, je dis à la bonne Moselle. Président, monsieur le président, alors, réaction FENAM face à ministre, alors ministre planification. Oui. Et bien en même temps, nous voyons que le Parlement, Guetanville là, prend dossier à nous élu, je crois, commission planification, et commission intérieure, collectivité territoriale, Guetanville, je crois, vous attendez. Dans le premier temps, vous attendez FENAM, après ça, vous attendez ministère planification, et après, vous attendez nous tous les deux, vous faites réformation à nous tous les trois. Donc alors, on a des ministres planification lui-même dans le dossier. Et nous avons des sénateurs, nous avons des députés, nous avons des ministres planification qui lui-même a déjà en position. Sous mes ententes qui a existé entre eux et ministère planification, je dis à commission planification et commission intérieure en Sénat, rencontrer avec les deux ministres, le ministre de la planification, M. Viol-Florent, et le ministre de l'intérieur, et que nous gagnons là. Nous discuter avec eux à partir de l'argumentation que FENAM lui-même a fait hier. J'ai fait tout de arrêter septembre 2017 et sous question qui est-ce qui capable de déléguer ou pas déléguer et ouvrage, maîtrise d'ouvrage. Et le nous garder en ce qui a trait à l'interprétation de la loi, pas gagné, on met en tête divergence. C'est planification, lui capable de déléguer, mais lui-même tout, lui capable et qu'un peu pouvoir pour les gagner maîtrise d'ouvrage. Et cependant, sur l'opérationnalisation, permettre que le projet aille plus vite, et nous, ouais, gagner possibilité pour ministère de planification, ministère intérieur, et les commissions des deux chambres, être capable de chita pour nous voir comment aller plus vite, et permettre que nous kembe stabilité politique, tranquillité que l'institution yo, sérénité que l'institution a besoin pour le travail. Donc c'est discussion ça, et nous sommes fait, que nous présentons nous là, collègue Sorel Bral ajouter et quelques points, et après les deux ministres capables d'intervenir, pour nous voir après rencontre FENAM, après rencontre ça, et bien qui prochaine phase que nous allons entamer pour nous capables d'avancer. Moi-même, je suis capable de dire comme commission, président, commission planification, pour moi, le problème n'en résout déjà. Pour qui ça? Parce que compréhension
qui dégagé avec Fenamière et compréhension que nous dégagé avec ministère planification, ministre planification et ministre intérieur, c'était juste un problème de communication. Et dans ce sens, ça, nous déjà mettons d'accord pour le 17 mars, pour une rencontre qui fait pour nous dire DG contre Matokaba et ensemble pour nous compte comment nous avons joué une solution pour solution et pour nous opérationnaliser tout l'État parce que nous-mêmes et nous-mêmes nous dit nous tous c'est l'État, pas qu'à des batailles entre nous, son compréhension pour dégager et nous penser et j'en ai dit à ces communications parce que tout approche y'a bon voilà, c'est promesse qu'a fait pour une union d'arrivée faite, mais on quoi qu'il arrive fait côté ministère de l'Intérieur là, ministère. C'est pas seulement le jeu de la loi, mais c'est aussi de comprendre souci légitime, mais oui, collectivité, pour approprier les projets de développement, parce que le gouvernement, comme l'a dit le sénateur et le président, ils sont des administrateurs, mais de question pour le développement de la collectivité territoriale. Mais soumettre toute une liste de documents et de pièces justificatives à la commission qui prouvaient que les gens qui ont écrit mieux, c'est les gens qui ont écrit, pas que j'aime beaucoup de députés qui écrit. Tous les projets en cours ont été sollicités par la mairie. Deuxièmement, me montrer la commission planification que des réalités qui permettent ou bien que nous avons exécuté le projet comme maître d'ouvrage ou bien que nous déléguer maîtrise d'ouvrage à d'autres secteurs et le même cas de votre projet c'est nous mais par une délégation de maîtrise d'ouvrage à travers le public pour traiter suite projet qui concerne le bétonnage faire route même pas que commune de pays même cas de centres de santé pour réhabilité qui institution d'expertise, c'est le ministère de la Santé, mais par délégation de maîtrise d'ouvrage pour exécuter les douzaines. Nous gardons le retour que le marché public pour qu'il refait. Et qui est-ce qui a l'expertise pour que ce marché public c'est... Alors, nous, ça c'est perdu par le côté de la promesse pour c'est en fait journée hier. Journée hier, côté que c'est le ça, Sénat, toute commission, ni chambre ni chambre bas, réunis avec FENAM, ministère de planification et ministère de l'Intérieur. Donc, on va connaître, dis-moi, M. FMC, un petit temps. Pour tout le responsable dans le Sénat, président commission intérieure, président commission planification, président finance, avec la commission chambre basse là, président FENAM, ministre planification, ministre intérieur, tous 10 présidents associations départementales, mairie, à travers tout le pays. Je dis, je crois que c'est un bel exemple de démocratie. On croit que ça qu'a fait là, c'est ça que nous besoin pour Haïti avancer. Effectivement, c'est un problème qui posé. Définitivement, on croit que nous disons plusieurs fois. Moi, je dis déjà, c'est honorable sénateur et député au deal. Président FENAM n'a reconnaître un déficit de communication. Et je parle, FENAM à part. Et encore une fois, on a profité de l'opportunité, ça, encore une fois, pour saluer leadership et sagesse sénateur, particulièrement président commission intérieure et président commission planification, qui te prend initiative ça, de concert avec président commission et commission intérieure et planification dans la chambre députée. Pour entamer et initier dialogue ça. Donc pour ça commencer sortir là, nous sommes tendus. Quoi que bon, clairement, des ententes qui arrêté sous 2016-2017, des perspectives de rencontre et d'approfondissement de solutions, même si l'UER a commencé à dégager pour 2017-2018, et certainement de façon 18 et de façon structurelle, permanente et durable pour
problème ça a posé et résoudre une fois pour toutes pour le budget 2018-2019. Encore une fois, moi-même, je suis vraiment content et honoré que je fais partie à la discussion. Ça, et c'est comme ça, encore une fois, je pense que Haïti a sorti dans sa lia. Et c'est ce genre pour définitivement, pour collectivité, joindre tout bon. Mais oui, c'est le premier responsable public pour réaliser la question de route, marché public, de réhabilitation des centres de santé, etc. Que projet qui n'a pas de problème, c'est la mairie qui soumet, et bien ce projet, on va directement et le plus vite que possible vers l'exécution. Projet que fait Mme Tagé, il y a une objection sous lui, à savoir que ce n'est pas la mairie qui te soumet, ou bien c'est avant au casette. Eh bien, on va faire un arbitrage pour permettre à ce que ça résoudre. Maintenant, pour 17-18, c'est budget ADSA. Heureusement que le processus de mise en blanc est tout fait. Eh bien, nous dit, Calbochita entre FENAM, les trois commissions du Sénat de la République, finances, intérieur, planification, les trois commissions de la Chambre des députés, finances, intérieur et planification, puis on a mettre tête ensemble tant que élu pour qui j'ai résolu le problème dans le dialogue et la solution là il y a imposé nous-même comme ministre. Ce qui y a lieu de faire, c'est que nous prévoir dans 18-19 pour nous résoudre définitivement de manière structurelle. À savoir pas gagner une loi et dans la loi ça nous dit que nous ne pouvons pas quitter le fonds communal de planification et bien envoyer le l'intérieur. Et comme le ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales, c'est lui qui est ministère de tutelle des mairies, et bien à partir de ce moment, nous allons chiter ensemble pour mairie en tant que gestionnaire des collectivités territoriales, nous approprier et pour atterrir dans les communes dans un souci de justice territoriale et pour avancer tout droit dans le souci de la décentralisation, comme le veut le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, et comme lever également le premier ministre Jacques de La Fontaine dans un dialogue interinstitutionnel. Et moi-même. Voilà, magistrat, président, nous sommes tendés du point de vue parlement, et nous tendés ministère de l'Intérieur, et nous tendés ministère de planification, ou même comme tout là avec nous, et en même temps tout, tout peut-être toute communauté, tout FENAM qui attend de vous, tout magistrat qui attend de vous. Qui explication permet de comprendre bien fondé cette fête-là. Est-ce que tout le monde est content? Est-ce que FENAM, même le groupe pas satisfait, mais est-ce que le content? Bonjour, est-ce que on a fait genèse question pendant deux minutes parce que ça fait un investissement. Je dis, bon, il faut nous sortir, faut nous parler au fait de l'origine du problème. Qu'est-ce qui est lié? Et en 2008, sous président Breval, le ensemble de députés, sénateurs, qui étaient têtu ensemble, parmi lesquels, le député Sorel Dela, le sénateur Sorel Dela, le député sénateur Fresnel Dela, la période de Sao, et député actuel sénateur Gandastan, l'autre là, et Mbredi Rigo Belizer, qui font intervention extraordinaire dans nos fonds spéciaux aux communes, donc pour les communes. Les maires sont les administrateurs nés des communes, donc tu es responsable de ça. Par contre, tu as toujours un problème dans le décaissement, c'est le député qui te connaît. Je veux ça. Mais le député pas jamais d'abord faut reconnaître ça. Tout. Par exemple, Hugo, Denis, S.O.L. Jacinthe, qui est encore m'a songé, mais il faut nous remettre gain pas jamais là-dedans, effectivement, parce qu'il faut nous faire la part de choses. On a depuis le même dialogue intérimaire sous le président Martelly et moi, la députée Blaise, nous avons entendu nous, comme ça, le décaisser jusqu'en 2014. Mais depuis 2014, pas gagné un centime qui décaissait au titre des fonds communaux. Lui, les fonds locaux de développement et d'aménagement territorial, lui, hébergé dans le ministère de la planification et dans PIP. Programme d'investissement public. Le ministre Aviol vient de 2 ans, par mon centime qui décaissait. Pour 16-17 là, le président joue sur nous dans la collectivité à 500 millions de gouttes dans le budget avec parlementaires. Pour 140 communes, c'est voté au mois de juin, à 4 mois de la fin de l'exercice,
faire passer de 1,4 milliard à 500 millions, tant qu'à proposer des questions, nous avons accepté. Ces premières années, c'est peut-être 3 ou 4 mois après, entrer en fonction, et nous avons décidé de mettre à disposition de la collectivité pour témoigner rapprochement de la voie. Mais comme nous sommes dans le système qui connaît même ces formations, pas moi, c'est économiste de formation, finance publique, tout, moi, anticiper sur un spectre d'annulation de crédit, de ce crédit, de ces crédits, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ça a résolu, une fois que c'est venu, c'est fini. Mais le bâtiment, il va rien à l'heure aussi. Et ça, nous faisons anticiper, nous équipe dans le CNIA, nous solliciter une sanctuarisation de ces crédits. Ça veut dire que c'est une autorisation, une décision politique, qui n'a pas lié à l'économie de financement public là, qui bah opportunité comme là du 30 septembre que le processus là a toujours existé mais il y a des questions comme ça pour communier mais il va n'exister voilà 28 septembre nous ferons rencontre de BEH et ça a été au fait la principale revendication de la FEDAM nous à deux jours de la fin de la clôture de l'exercice des présidents et madame ministre d'instant ministre Salomon, que nous remettons ridicule à recevoir aucun dossier sur l'exercice 16-17. C'est normal. Voilà, de vous dossier d'investissement. Eh bien, pour l'exercice qui commence le 1er octobre de l'année dernière au 30 septembre de l'année suivante, pour dire qu'on a déposé le 15 septembre. Or, c'est un mois au moins. Donc, coup de compte, tu dis pas recevoir un dossier à partir du 15 septembre. Et comme c'est seulement 15 000 qui étaient déposés, nous sollicitons une dérogation pour sanctuariser font ça. Nous faisons une loi à Israël, nous disons qu'il ne va pas l'affaiblir, n'a pas parlé sur question technique, légale, n'a proposé pour le président, il va les questions au niveau du ministère des Finances, planification intérieure, il dit oui, le possible, donc on est possible tout en fait, comme économiste, on connaît ça. Donc, il a accepté. Premier, dossier déposé. Le ministère ne dit pas qu'on recevra un dossier à magistrat seulement. Si dossier à pas proposé, organisation nationale qui a aidé comme qui a fait le jeune tout, mais entendons. Mais cette question que ces forts députés approuvés, on l'a qui fait en dernier il y a, nous récuser. Et nous demandons, ministre Ariel, si on continue comme ça, là, il y a des difficultés, ça va ne pas accepter. C'est violation de la loi. Pour les avons députés signer son lettre, mais il a fou a écrit. Pour qui ça pour un projet. Ce qui est passé, c'est que depuis juin jusqu'à jeudi, pas gagné un centime qui décaissé. 80%, plus 80% de dossiers déposés, mais pas gagné. Que lui là, bien sûr, il dit ça clairement. Et comme il y a déjà, le nom de c'est que, nous nous disons, c'est dans le Grand Sud, regardez l'État, département Sahel, regardez l'État Kafou, l'État Cul du Nord, l'État Conseil de Ville, Ferrier les Pêches, Monde Organisé, Bon Salut, Chardonnière, Les Anglais, Tibour, mais comment on fait pour l'État ici, mettons comme dans un budget? Après 18 mois, on s'est mis à décaisser. Après 9 mois, mais ce n'est pas possible. Problème de management. Qu'on y a, à mon avis, il faut conférence de presse. Mon ministre a un ultimatum. Il répond. Vous songez ça. Il dit que je leur pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne font qu'accoucher des bêtises. Ces maires devraient changer de conseiller, révoquer leurs conseillers parce qu'ils sont mal conseillés. Il me dit oh, cette déclaration du ministre fait. À un ensemble de magistrats qui ont dit qu'ils ont droit qu'à aider l'État, le gouvernement, faire projet pour les conditions de vie mounio. Voilà que tout le monde s'est révolté, qu'on y a, on dit que nous pas, comme on avait créé un conflit entre Kazakh et magistrats parlementaires, nous-mêmes c'est élu, nous pensons que ce mélange est lié sous bazar dans le gouvernement, magistrats pour résolution, le 22 avril demandé de parler. Ça dit comme on le répond, c'est que. Un fonds communautaire était un fonds que Mérilla, qui est en charge, qui est en charge de ça, le ministre a accepté pour un dossier nommé Kazek, qui pas de faire. Encore une fois, nous remercions et saluons le courage du sénateur français, le sénateur Sorel, qui dit ministre, attention, sous fonds communautaire, pas qu'à prendre dossier nommé Kazek. Il y a un fonds aux sections communales, c'est seul Kazek qui a déposé, mais il n'a pas déposé. De débuter utiliser certains utiliser Kazakh pour le faire. Nos campagnes ont dit non. Et effectivement, la résolution ont été prises justement au niveau et avec la FENAM à KIB et le 23 février dernier. Qu'on y a, nous signifié le gouvernement, nous dit publiquement, nous dit, les maires étaient solidaires, ils ont parlé d'une seule voix et ça
vraiment tu gagnes bail tu vas le faire. Sénateur Francenet, par intelligence, par expérience, il gagne deux mandats députés, je dis à sénateur, il réalise un peu de bagarre dans la commune avec magistrat, sénateur Sauvel Jacinthe, qui fait trois mandats députés, je dis à sénateur, ils ont plus de bagarre dans le rapport avec magistrat, ils saisissent des questions. Ils proposent une solution institutionnelle. Moi-même, comme pacifiste, comme apôtre de la non-violence, comme président de la FENAM, moi, entrer dans la dynamique de négociation pour des solutions dans le pays. Et je toujours reprendre une phrase à le président Jovenel, et la stabilité est le meilleur des biens publics. Chaque monde qui a dirigé, chaque citoyen a une obligation pour garantir sa stabilité, pour aider sa stabilité à instituer dans le pays. La stabilité politique, elle a créé un pile d'importance et un impact sur toute sa situation. Nous rentrons avec nous. Et mardi dernier, nous déposer. Nous avions évoqué arrêté 27 septembre 2017 là, qui dit que les pas autorisé de discuter avec les mairies. C'est avocat là, dans le cadre de la loi. Le plan article 1. Nous-mêmes FENAM, nous évoquons même arrêté, mais nous prenons article 2 qui a l'opportunité pour discuter directement avec les mairies. C'est ça la revendication FENAM. Contrat avec Mérieux pour virer comme pour le service technique Mérieux choisi film en deux communes qui vous travaille pour Maïsraël, et bien en tant avec Kazé qui a député pour faire le jeu de vous changer. On a mis à vie lui-même, campé sur le côté de là, nous voyons plusieurs correspondances balles pour une chita, mais pas jamais chita, pour dire ça va passer. Exercice 17-18 là déjà arrivé, nous déjà dans ce sixième mois de ce 17. Or, c'est 17, passé le 30 septembre, donc bien creux. Parce que je dis à Maïsraël, il y a 20 mois qui vont même planter un piquet la caillou. L'année prochaine, c'est l'élection quand même. L'État de question nous et ne montrer pas A plus B de manière légale et opérationnelle. Si nous avons souci de changer le pays, bannir le Rio, renforcer le Rio, et bien pour ça, faites comme ça. Donc, le sénateur de prendre A et de bien, on a des logiques pour proposer. Le lendemain, on rencontre avec deux ministres et après, pour proposer qu'on rencontre à l'endroit. On va le faire à l'endroit, mais ça nous joint comme solution. Pour la solution, il y a trois temps. Premier temps, c'est l'exercice 16-17, qui était censé préoccupation première magistrat et qui fait suite à demande que FENAM a formulée auprès du président de la République pour nous demander au ministère des Finances pour sanctuariser le crédit qui était alloué dans l'exercice 16-17, qui était 500 millions de gouttes pour 140 communes. Konya, le nombre de Konya pour repartir de zéro, dans ce processus-là, vous trouvez que dans le pays, il a déjà signé le contrat. De mairie, côté de mairie, entre la députée, que projet de besoin de planification, le ministère de planification décide à travers l'avis de la Cour des comptes, répartir par plusieurs ministères sectoriels. Tout côté de la députée magistrat Antonio, sous projet déjà, qui déposé soit la planification, qui répartit, soit la intérieur ou bien TPTC, l'a exécuté. Tout dossier que mairie a pas déposé, la planification n'a écarté, l'IPAN n'a écarté pour mairie a déposé dossier et que pour le fait. Et le processus de 30-40% qu'a bail pour les non-pères parce que nous sommes au sixième mois. Imaginez avant 30 septembre, nous recommençons à 17-18 là, que nous avons 30%. Rapport à bail pour bail 40%. Rapport encore bail 30% encore. Et puis nous avons 17-18. Deuxième niveau, c'est que pour le 17-18 là, que comme ça avec nous le ministère intégré et ce dernier point d'entente là je pense que c'est le principal parce que ça va résoudre de manière définitive c'est pour dire si 18-19 là la FENAM entend avec le gouvernement le parlementaire pour mettre pour délocaliser fonds de planification à ministère intégré et deux pour le ministère intégré. Il est parti le balayer parce que chaque jour, le ministre intérieur vire comme sous compte casette, sous compte mairie, sans s'en parler, il n'est pas possible pour faire 24 mois, ou faire 18 mois, ou faire 9 mois en fonds d'investissement que vous politisez, qui est une population de service. Donc, tout magistrat, par contre, 60 pays, il y a des solutions finales, mais attention,
nous sommes dirigeants, et pendant le bail pour nous croire, c'est pour nous jouer une stabilité, c'est pour nous discuter parce que pas capable de recevoir tout le bagage. Par contre, DG, je dis à c'est quand même 7 mars, 6e mois de l'exercice là, 17-18 là pour que le bon projet déposé. 16-17 là pour que commune qui joue nous ça, dit publiquement. Nous décidons par la conférence et pour nous décider par synthèse, conclusion que nous déjeunons, si on va accepter que sous 17-18, qu'il faut aller améliorer et 18-19, il y a résoudre définitivement. Mais comme nous avons dirigé, nous avons l'état tout. Nous ne pouvons pas provoquer la violence. Nous ne pouvons pas faire des propos, nous ne pouvons pas lancer des propos pour bloquer la rue, pour bloquer la rue. Nous sommes magistrats. Mais il y a une autorité, je veux dire, pour bloquer la rue Kafou comme magistrat. Et bien, oui, pas, mais pour nous discuter, et ça quand même de proposer, dans le rencontre là, et dans le rencontre Saint-Masta, nous avons dit que même la discussion a fait et que nous pas satisfaits, nous voyons que vous connaissez quand même ce parlementaire qui a supporté mis à viol. C'est pas un secret pour personne. Ça fait nous commencé, nous dit que bon, comme pas nous avons une solution, nous pas d'accord, question de bousaille, faire des ordres dans la rue, communion, j'en ai pas parlé, pas voulu, du tout, nous ne voulons pas voulu. Par contre, nous avons saisi la Cour des comptes. Parce que si c'est une protection qui existait entre une collectivité et un ministère, la loi dit clairement qu'on a saisi la Cour des comptes pour prononcer. Et si vous n'êtes pas satisfait, on va faire recours au niveau de la Cour de cassation. Et c'est ça qu'on va le faire. Comme le sénateur Sorel, le sénateur Frestin qui nous salue, beaucoup à jour, et le sénateur Hugo Bélizère, député de Honnête, député Gagné, ont senti que tout le monde peut reconnaître que l'argent est de l'argent de l'argent directement parce que nous avons des personnalités. Mais je dis propre. Il y a une autorité pour ça, mais il faut que des comptes renforcent la capacité de le département pour exercer le contrôle, contrôle sur les pensions. Parce que vous savez, je dis à DG, vous savez des films, parce que quand vous descendez dans la commune, il y a des gars qui ont dit que vous n'avez pas projet à faire, le magistrat n'a pas jeune encore. Donc, vous savez des entreprises en deux communes qui n'ont pas accès, choix à filmer, faites pas de presse. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Et ça, nous devons dire non. Donc, nous allons entendre ça de manière provisoire sous question ça. Et nous pensons que Marissa qui n'est pas trop content, il m'a donné pour nous passer. Nous sommes diligents. Même vous voulez voir que l'argent va me chadonner, l'argent va me caer, l'argent va me accueillir, l'argent va me la victoire, l'argent va me tigouer, l'argent va me cafou. Vous voulez voir ça pour le projet commencer à faire dans le pays. L'argent va me la gouna, l'argent va me la sangale, il va me grand grave. Vous voulez voir que l'argent pour saluer. Nous devons pouvoir du corps, soit ça, nous devons organiser deux comme ça. Petit avant de faire le coup de la demande, si ça, c'est pas nous pour des plaintes là, les jeunes parlements, parce que si nous tous connaissons, chat connaît, il a été là. Pour qui ça, nous parlons tout, parce que le ministère plan, il y a un chef quand même. On parle de gouvernement. Il faut nous honnête. Et problème de la planification, c'est pas le problème président Jovenel, le premier ministre lié. Le problème chaîne les butées. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est le député sénateur qui est le ministre Aviel. Nous connaissons une planification. S'il y a des solutions consensuelles, concertées, il faut établir la vérité des faits. Parce que nous connaissons que ce n'est pas le président qui dit ministre Aviel, pas dans la commune. Nous connaissons que c'est la première qui dit ça. Vous avez dit que le portage politique du dossier est réalisé par la chambre des députés. Même là que ni chef gouvernement, ni chef exécutif, a dit le bail, cinq députés ont interpellé le ministre. C'est une solution négociée qui parce que c'est ça qui fait le ministre. Nous avons reconnaître que les quatre députés directement avec les Yori. Attention, il l'a reconnu. Nous avons posé la question, nous avons dit ministre Aviol, est-ce qu'on peut jamais traiter Amélie du tout pendant le ministre? Parce que nous, au niveau de l'affaire, nous avons les preuves de transactions avec la municipalité. Puisqu'on a habitué à faire le parfait qu'on y a, comment on va expliquer comme ministre ou responsable investissement au niveau local, après 9 mois dans l'exercice, on va regarder qui sont centimes. Donc, coup de compte débouté, coup de compte dit, mais ça pourra le faire, malgré ça, on va le faire, ou contourner. Et je pense que c'est important, je dis, pour nous connaître que la fonction municipale, valoriser. C'est la partie pays. Un coup sur des comptes avec le Parlement. Comment question autorité et qu'est-ce qu'il y a plus pouvoir? Non, sur exercice contrôlé. Non, si coup des comptes. Amen. L'en passé, si coup des comptes sur question. Avis coup des comptes là. Si vous n'avez pas au coup, il est opposable. Ah, attention, imaginez une décision de la Cour des comptes qui dit que oui, on va faire avec mairie. Et puis pour t'as dit on va faire, le Parlement est à changer de ministre chaque jour.
Parce que nous ne pouvons pas faire pays, nous ne pouvons pas faire pays pour investissement comme si on le politiser comme ça. Soit nous faisons Haïti, nous changer pays pour les gens qui vivent demain, qui bien vivre, pour la diaspora, nous qui fier de la caillou, pour garder des modèles étrangers pour nous répliquer qui bon pour nous. Soit nous ne pouvons pas faire du tout. Parce qu'une institution, l'État, pas qu'à prendre l'autre institution en otage. Sous base chantage politique, et pensez que il y a un parlementaire qui est en bas, monsieur, il faut nous saluer courageux, il faut nous saluer courageux, sénateur Sayo, sénateur Francenet, sénateur Rigaud Bélizer, sénateur Sorel, député Gagné. Moi, j'ai découvert un député, il s'appelle Déhonnête, c'est un type honnête, c'est un type qui maîtrise son sujet, c'est un type qui est pour la décentralisation. Et officier, il demandait pourquoi il virait directement sur le côté Mérillot, tout comme le sénateur Hugo Bélizer. Il avait le courage de le dire, ce sénateur de la Grandance. Pareil pour ce député. Et je pensais que l'FNAM pour ton sujet, au plus haut niveau de l'État, sur le plan du droit, sur le plan de la loi, tout le monde connaît ça, c'est exécuter. Parce que nous avons besoin de pays à changer. La Grandance, depuis qu'il maïsse pas jamais fait, une maïsse n'a pas jamais fait un goût d'investissement. Ou qu'à changer le pays, ce n'est pas un investissement. Bon, l'État n'a pas l'argent. Le gouvernement a accepté, mais ton petit cob. Dans la commune, il faut le décaisser. L'argent n'a pas arrêté, il n'a pas décaissé. Les activités culturelles, l'argent a décaissé. Les carnavals, l'argent a décaissé. Les patronales, l'argent a décaissé. Dès que c'est investissement, pas qu'un cop. Mais ce n'est pas possible. L'argent dans le budget, on n'accepte pas ça. Il faut changer les choses. Et mais c'est ça, le sens du combat de la fédération. Nous, on pose pour l'émission ça aujourd'hui. Pour nous-mêmes, parce que nous connaissons la municipalité, c'est chaque mardi, nous parlons de lui-même. Bien que nous ne pas réellement permettre tout magistrat pour venir même pour être présenté dans Bâti Haïti. Parce que c'est le premier. Dans Bâti Haïti, c'est le premier ouvrier. Oui. Et puis nous-mêmes, avant que nous passions le bas nous-mêmes, je permettre Ganet, ingénieur Ganet, Galiot, qui lui-même. Tu avais dit un mot sur le FNAM. Non seulement tu as dit un mot sur le FNAM, on a tout quitté le conclu pour nous tous. Et puis avec toutes mesdames, on a parce que le lag est arrivé sur nous, on a frappé dans le cafou à la bouffée. Oui. Ok, merci BDG. Moi, j'entends des magistrats avec attention. Mais il y a des gens même qui sont dans le musée, il y a des juristes là-dedans, il y a des gens de monde qui sont là-dedans, il y a des bagages là-dedans, parce que c'est un éclatement là. Ça, c'est un problème, parce que, imagine, soit l'autorité a un problème avec l'autre. Je pense que c'est le conseil sage là, plus important pour être capable d'entamer un dialogue avec toute entité ça pour parler avec eux parce que c'est important en dans pays on ne sait pas parler souvent pour parler pour mettre mon chita pour parler avec eux pour faire dialogue mais c'est politique parce que je dis ça parce que c'est politique en politique même le valeur de politique mais on pas veut comme ça la politique qui fait ministère viole pas bye là ça veut dire qu'il va respecter la loi non, mais, c'est parce que une institution qui supporte le sous c'est ça c'est qui monde ça c'est qui ça fait on parle de documents ça veut dire on va aller orienter chaque pouvoir ça par exemple gagne un bagage si nous prenons constitution c'est boussole nous aller dire chaque entité ça a attribution. Il pense que sinon, le pays qui s'est tourné là. Est-ce que vous comprenez? Il a dit chaque entité ça a gagné. Et puis pour nous avancer. Parce que c'est important, nous avons besoin de ça. Dialogue là, c'est une chose qui est importante. Dialogue là, c'est une chose qui est importante. Le traditionnel, il est indispensable. Il est indispensable pour nous capables de faire dialogue, pour nous aller vers l'avant. Et ça qui est important, comme nous pouvons aller conclure, quand il y a un rallye que nous avons fait dans la question des chers, moi je pense que c'est une question de responsabilité. Et que mairie prend responsabilité au SMCS comme institution qui est là pour faire travail, il est là pour prendre responsabilité. Parce que normalement, c'est que ça nous besoin. Nous besoin d'acquérir et entretenir et des matériels parce que c'est important pour nous capables de continuer à lever Fatra dans la rue. Nous gagnons un cadre, nous gagnons un chauffeur, nous faut qu'ils recyclent, il faut qu'ils fassent formation pour eux. Tout ça est important parce que je ne veux dire des matériels qui a voué sur terrain. Moi, je pense que c'est important, il faut qu'il y ait un niveau pour ça. Elle dit, dans l'institution, il faut qu'il y ait une formation, il faut qu'on jume les deux thèmes, ça, c'est ramassage d'ordures, ensuite, et gestion des déchets. Si nous faisons ramassage d'ordures, les gens, nous devons faire, nous avons matériel, nous avons compressif, nous avons wall-off, pour nous lever fatra, ça n'a pas capable de faire tri, qu'on n'a pas capable de faire collecte dans la zone, qu'on a la même puisque nous faisons tri à la base, moi, c'est une synergie qui peut dégager entre mairie avec SMCS en matière de tri. Pour nous capables de arriver dans la question de gestion de déchets, et puis ça qui est important, gestion de déchets, et puis ça qui est important, pas oublier SMCS son institution, même si SNGS va venir, mais c'est SMCS qui vous baille le temps, parce que non seulement nous avons des ressources en matériel, nous avons des ressources humaines, tout, et que base là c'est nous-mêmes
Moi, je pense que c'est important pour bonne négociation qui fait pour Chita parler pour CSMCS qui baille le temps. Et son plaisir pour moi pour me participer dans l'émission ça, dans Bati Haïti. Et que pour nous capables de faire travail là, parce que la bataille n'est pas facile. Je ne dis pas, il n'y a pas le don terme qui est important, qui c'est 30% quota. Pour regarder même dans le cartel mairie, ce n'est pas ton cadeau, c'est son bataille qui te mené. Je ne dis pas, depuis l'inscription, et que depuis pas grand femme dans le cartel là, il est tout rejeté, le système est rejeté. Bon. Ni pour Kazek, ni pour Azek, ni pour une quantité de femmes. Elle dit, la bataille là, elle est pour le continuer. Faut gagner l'autre texte de loi qui lie pour faire respecter quota. Moi salue nos mesdames pour le travail que nous avons fait, que ces femmes tout partout dans le pays d'Haïti qui font un travail important pour le secteur. Moi salue nous, merci en pile. Oui, c'est un bagage que vous dites. Nous quitté vous à vous. Sauf que m'dab dit pendant 30 secondes, 15 pour Carrefour, 15 pour Fenam. Pour Carrefour, sur question Fatra, me dit que nous redémarrer et faire payer taxe parce que il n'est pas possible pour nous gagner 95 000 qui va payer taxes Carrefour sur 102 000. Ils sont années de projet pour nous année ça. Et c'est ce communal, nous avons une route extraordinaire là. Nous tout bien primé à Guinée. Le président va l'annoncer, mais comme moi connais le dire, c'est route la boule, rivière froide et Carrefour là. Et le président s'en va mettre maintenant avec Méria à travers DPTC. Et nous gagnons 10 000 mètres carrés trottoirs que nous pas le fait. Et sur ville là et 10 000 mètres linéaires et de caniveau nous va le faire nous commencer 26 nous va aller dans Paloma tout ça et marcher des postes va le résoudre n'a venu pour le service parce que ce phénomène m'a demandé magistrat mieux nous avons une dynamique de négociation responsable nous va le baisser couper les chines devant personne mais nous c'est dirigeant et n'a payé pour nous toutes faut qu'un dialogue la première étape nous va se suster. Nous entendons sur ensemble de choses et nous entendons que les résultats ont commencé à venir. Et demain mercredi, à 4 mars, nous prenons tout projet dans la planification pour nous engagement que nous prenons et pour nous débattre un calendrier pour les questions qui fait. Nous demandons une patience parce que nous sommes dirigeants. La violence ne peut pas mettre d'aucun côté, mais il faut défendre l'intérêt de la collectivité, de la sérénité, dans le respect de la loi et de la Constitution. Merci. Et bien c'est avec conclusion ça que nous avons fait mes éditions de journée aujourd'hui. Aux mêmes amis qui t'étendent de nous et espérer que vous pas de perdre du temps. Et au même tour qui pas de fin de temps de net de nous à minuit dans la reprise édition ça. Et m'a dit président Fénamnan qui c'est maître Jules-Édouard Pierre. Merci. Et ingénieur Marie Ganette Galiotte. Nous merci de participation. Et nous avons bon travail. On est toujours goumé pour nous bâtir Haïti, pour nous changer l'image pays nous. Une dame pour Haïti décoller. Haïti a décollé à collectivité. Avec collectivité. À tout le monde, à femmes, garçons. Collectivité. On dit collectivité, c'est femmes, garçons. Femme garçon. À collectivité. Avec l'institution. Hein? Avec l'institution. On a rien de nous pour payer demain. Ouais. On a rien pour payer décoller.